Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable Noël. Bienvenue dans Death Stranding épisode 15, installez-vous confortablement, un casque ou des écouteurs, éteignez les lumières, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le droit de se balader dans le monde des échoués. C'est ça aussi la magie de Noël, c'est pouvoir se balader dans un monde terrifié, évidemment, ça ne veut rien dire, un monde d'échoué, je dirais même. On se retrouve directement dans ce monde horrible et on va apporter nos cadeaux, c'est-à-dire les colis que les gens ont commandés pour peut-être que certains finissent sous le sapin. Allez, c'est parti. Allez, on est de retour dans le monde des échoués et je devais livrer tout cela qu'on avait piqué évidemment au camp de mules qui n'était pas très loin et clairement c'était pas évident, c'était un sacré merdier, on en est encore épuisé. Donc c'est parti, t'as intérêt à apprécier mon pote parce que franchement je me suis régalé à aller chercher tout ça. Alors déjà on va partager les données de carte mémoire, sait-on jamais, ça fait peut-être un bonus d'XP. Souvenez-vous, on l'avait trouvé dans le centre commercial, juste à côté, enfin en tout cas ce qu'il en reste évidemment. Soif de connaissance. Merci beaucoup. Très bien, il est déjà parti, hop ça dégage, journal, entrée 1, 2, 3, 4 et 5. Et là on va pouvoir livrer, j'ai besoin de beaucoup de repos. Là s'il vous plaît, évitez de me faire faire un truc de ouf, j'ai réellement besoin de beaucoup de repos. Donc du lubrifiant, c'est toujours utile. Œuvre d'art antique, traitement, des somnifères, des stylos, albums photos, voilà, tout ça en livre, c'est pour moi. C'est moi qui régale. Ah oui, il émet vraiment une par une pour le coup. Ah non, c'est bon. Je me suis dit, attends, putain, ça commence à être long. Allez, livrer la marchandise perdue, c'est fait. Normalement, la marchandise a donc été confiée à un autre joueur. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors là, c'est pas noté. Voilà, tout a été confié à un autre joueur. Voilà. Hop, on passe ça rapidement. Plus 2 en divers, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Donc, c'est parti. Voilà, tout a été donné et rendu. Et vous voulez rire ou pas? Moi, je pense que vous voulez rire. Vous savez, le serveur qu'on a pris au camp de mule, eh ben, il faut le ramener. Mais le problème, c'est qu'il faut pas le ramener ici. Il faut le ramener au tout début, là où on était. Donc, vous savez ce qu'on fait? On va se prendre une petite boisson énergétique parce que je suis épuisé. Clairement, là, ça me... il peut plus rien porter pour le coup. Excellent, ça. Sam Porter, on adore l'humour par ici. Donc, c'est parti. Pop. Allez, hein. Allez, on va remplir la gourde. Attendez. Voilà. Bon. On est reparti. Le bébé gazouille. Très bien. C'est qu'il aime bien le bébé, les boissons énergétiques. Et ça, c'est cool. Donc, c'est parti. C'est par là-haut. Ville relais du lac. Bordel. C'est chiant. Et vous savez quoi? On va gagner du temps de vidéo. À moins qu'il se passe un miracle. On switch directement devant. Et comme ça, on va gagner beaucoup de temps de record. Allez, à tout de suite. What? Monsieur? Ça, c'est pour toi. Vous allez bien? Oh, il y a d'autres porteurs? Oh, mec! Oh, les gars, vous êtes trop gentils, wesh! Frérot, tu veux rien me donner? Oh, trop bien! Il existe donc bel et bien d'autres porteurs! Mais c'est génial! C'est génial! Oh, je suis pas peu fier! Il y en a partout! Regardez, il y a encore deux autres personnes là-haut! Mais c'est incroyable! Allez, on switch! On se retrouve avec eux! Des ingénieurs et tout, c'est totalement dingue! Ok, je vais en chier.
Ok, il reste 400 mètres. Je me suis fait attaquer par des mules. C'est terrible. Et ils sont encore très nombreux. Peut-être même trop nombreux. Mais c'est pas grave. J'ai bu un peu de bouncers pour récupérer mon énergie. On y va, on cavale nos grands morts. Oh là là, me rattrape. Putain, ils rattrapent. Ils sont beaucoup trop strong, les gars. Attends, mon coco. Hein. Toi, je t'ai bu. Je vais pas te louper, mon pote. Hein. Ok. Lui, il cavale très très vite. Oh, beau ça. Précision redoutable. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah non. Non, non. Non, on a vraiment pas le temps, frérot. On a vraiment pas le temps. Alors, d'accord. Si j'ai bien compris, sous l'effet de l'adrénaline, j'ai peur. Je suis épuisé. Hein. Je suis épuisé. Je peux plus rien faire. Oh. Je les ai quasi tous mis KO. C'est incroyable cet endroit. C'est quoi, dis donc? Oh là 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 là. Les gars, je suis totalement épuisé. Heureusement qu'on est bientôt arrivé. Parce que là, je vais pas pouvoir faire long feu. Regardez ma barre d'endurance. Oh. Alors, il reste 264 mètres. Et ben, on va y aller tranquillement. Voilà. En espérant... normalement, on devrait s'écrouler dans pas longtemps. On devrait s'écrouler de fatigue. Mais là, on a mérité une très grosse nuit de repos. On va enfin pouvoir se coucher, s'allonger. Regardez ma jauge d'endurance qui continue de diminuer. C'est terrible pour elle. Allez, faut juste que j'arrive vivant. C'est tout ce que je demande. Je recycle les chaussures. On partira avec des chaussures neuves. Un petit peu d'énergie aussi, mine de rien, pour mon exosquelette. Et je livre tout ce qu'il y a à livrer. J'ai réussi à choper 2-3 trucs quand même. Chaussures quasi ruinées. Non mais attendez les gars. Eh, vous savez pas ce que j'ai dû faire, hein. Vous savez pas ce que j'ai dû endurer, bordel, hein. Allez, on est reparti. Parce que ça fait au moins... ça fait 12 minutes. 12 minutes pile. 12 ou 13 minutes que je suis sur la route. Depuis qu'on a coupé le record. Regardez ma barre. Quoi? Oh putain de merde. Quoi? Oh putain de merde. Oh bah là, je suis épuisé. Je vais m'écrouler. Hein. Je vais m'écrouler, ça va être terrible. Oh, allez. Quelques efforts. Ah, j'arrive même plus. Je sais même pas si je respire en fait, frère. Je vais juste mourir. Je suis totalement mort. Plus rien à tirer de moi. Ah, ici on aura peut-être un véhicule. Tiens, tiens, tiens. Ah putain, je dois faire tout le tour. Il m'est reçu une humble commande de pizza. Attendez, calmez-vous les gars, je vais pas livrer de pizza. Ça va, hein. Bienvenue dans la ville relais du lac. Ne pas passer par ici. Attends, pardon. Non, ça passe aussi. C'était un petit panneau piège. Ok. Allez, c'est parti. On va tout livrer. Regardez comme je suis épuisé. Oui, oui, non, mais là, on va se reposer, frérot. Hein. Parce que là, tu peux plus tenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez! On livre tout! Quelle balade! Quelle balade! Et pas quel plaisir pour le coup. On va surtout livrer le serveur. Oh, regardez qui m'attend devant. Tiens, 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 qui voilà-je? Je suis totalement épuisé. Parle pas trop longtemps, s'il te plaît. Hein. C'est Diane? Oh! Il a un bonnet de Noël! Bah mon bro! C'est trop bien! C'est du Hideo Kojima, quoi. Ok. Ils auront tous un bonnet ou juste lui? Oh. Oui, oui, j'y vais. Vous inquiétez pas qu'on va bien se reposer. Je livre déjà tout. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. À mon avis, ils ont beaucoup de trucs à nous dire. Et on se repose. Reste avec moi, Sam. Oh là 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 là, c'était un enfer. C'était un enfer. Bon, faire une livraison. Déjà, on va faire toute la marchandise perdue, n'est-ce pas? C'est parti. Voilà, normalement, on aura pas mal de life. Ça devrait pas poser de problème, mais ça va un petit peu nous alléger. Il y a quand même un gros colis là-dedans. Hein. PlayStation 4 Pro, ça. Je reconnais. Ah bah il est là! Content de vous voir. Les gens de votre trempe, ça me rend fier de faire partie de Bridges. Merci Sam. Et joyeux Noël! Ok. Eh bien c'est très bien. On peut avoir encore plus de choses sur nous. Eh ben c'était pas évident, hein.
La marchandise a été confiée à un autre joueur. Et la marchandise a été confiée à un autre joueur. Aucun problème. Ça nous fait encore plus ça en divers. 134, vous avez reçu. Déménageur éminent. Et ça, c'est plutôt cool. Vous recevrez plus de likes. Ok. D'accord, je savais pas que le nombre de likes était limité. On verra à la prochaine livraison, alors. Prenez soin de vous. Au travail. Eh ben, la prochaine livraison, c'est tout de suite. J'ai un serveur à te donner, mon ami. Faire une livraison. Hop. Let's go. Let's go, j'ai dit. Bienvenue. Dyerdman a dit que vous alliez venir. Ah, vous avez le serveur? Montrez-moi un peu ça. Génial. Le super livreur a encore assuré. Le serveur est en parfait état. Quel soulagement de savoir que tous nos documents sont en sécurité. Merci, vraiment merci. Eh bien, de rien. De rien, ça m'a coûté très très cher pour aller chercher le serveur et te le ramener. Rang S, entièrement mérité. Oh, j'ai ajouté un 3 roues à la liste de l'équipement que vous pouvez. Oh là là, tu commences à me plaire, je vais pouvoir faire une moto. L'obligeance de nous donner les plans en remerciement. Rien de neuf, deux roues à l'avant, une à l'arrière, fonctionne sur batterie. Avec système de recharge automatique qui s'active quand l'engin n'est pas utilisé. Le pilotage en terrain accidenté demande du doigté. Idéal sur les grandes étendues plates. T'inquiète pas, j'ai. À part ça, on essaie de vous obtenir un autre véhicule. Mais c'est pas gagné. Alors bon. C'est mieux que rien. Parce que là, le 3 roues. Grande autonomie. Très bien. Et ben, c'est plutôt cool de ta part, mon petit frérot. Ça, ça va faire beaucoup de points. Je le sens, ça. Je le sens si je puis me permettre, gros comme une maison. Ah non, pas du tout. Ah, c'est nul. Oh, ça reste entre vous et moi, mais je suis un peu déçu. Merci, Sam. Grâce à ces données, on va enfin pouvoir avancer sur notre projet de système de livraison automatisé. Je vais prévenir les gars qu'ils peuvent commencer à tester les bottes. Votre destination, le centre de distrib au sud de la ville relais du lac. Consultez le terminal de livraison dès que vous serez prêt. Les preppers avaient pas mal de trucs à dire sur Fragile. Vous êtes sûr qu'on peut lui faire confiance? Cette affaire avec Higgs, je vous avais déjà dit qu'elle le haïssait. Vous connaissez le dicton, l'ennemi de mon ennemi. Mais je vous laisse vous faire votre propre opinion. Demandez-lui, vous verrez bien. Que ça nous plaise ou non, on a besoin de son aide. Et moi j'ai besoin de faire un petit pipi. Allô? Nouvelle sonnerie de téléphone, incroyable. Sam, ici Fragile. J'ai appris que trois preppers avaient rejoint le réseau grâce à vous. Et livré tout ce dont ils avaient besoin. Excellent travail. Puisqu'on en est à se faire la causette, il se passe quoi exactement entre X et vous? Vous avez eu vent des rumeurs, hein? Je vous raconterai moi-même, en personne. Rejoignez-moi au centre de distrib au sud de la ville relais du lac. C'est là-bas que vous vous rendez, n'est-ce pas? On peut rien te cacher, toi. On peut rien te cacher. Allez, on va rendre... recycler du matos, parce que clairement, j'en ai plus rien à foutre, au point où on en est. De la résine en veux-tu, en voilà. Des métaux en veux-tu, en voilà. Régale-toi, régale-moi. Et on est bon. On est bon. C'est parti, allez, on recycle. Eh, bonjour, c'est moi. J'ai cramé avant Noël. Allez, on y va. Recycler, c'est fait. Fabriquer un équipement. Eh ben, on va se faire une petite moto des familles, je pense bien, mon pote. Vous en pensez quoi, vous? Oh oui, on peut largement faire une. Hein. Voilà, ça dégage. Ça dégage totalement. Fabrique-moi une moto. J'irai la chercher un petit peu plus tard. Oh non. On est bon, on est bon. Ok. Avant d'accepter les commandes, merci pour votre contribution. On va tranquillement entrer dans la chambre privée, se reposer parce que c'est bien mérité. Ah, c'était incroyable cette péripétie là. C'était totalement dingue. On va récupérer la moto
grande autonomie s'il vous plaît, et direction déjà le sud de la ville Rolet, où on va aller voir Fragile, évidemment. Oh, quel plaisir de te récupérer. Quel bonheur. Quel bonheur. Le bébé a retrouvé la sérénité. Bonjour, Sam. Oh là là. Ah, je suis heureux. Bien sûr que je suis heureux. Merci pour votre générosité. Bon, vu que mon niveau de sang ne descend pas beaucoup et que je mange pas de verre, il n'y a pas grand-chose, je pense, à en tirer. De la partie assise, évidemment. Mais on essaye, on sait jamais. Toujours la petite pub pour Ride, ça fait plaisir. Non, y a rien, y a rien. Dommage. Allez, par contre, normalement là, ça devrait être cool. Niveau grenade, il devrait donner un peu là. Voilà. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Dans le casier privé, c'est fait. Ok. Et cette fois-ci, une petite douche. Parce que ça donne aussi des grenades de niveau 0, je crois, numéro 0. Ok, il ne l'avait jamais fait ça avant. 4 grenades de niveau 0. Sartek ! C'est très très bon ça. C'est très très bon. Ok. Eh bien écoutez, on va pouvoir, je pense, déjà examiner la table. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens. Ah bah oui. Allez, on mange un petit cryptobiote. Alors ? J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je sais pas si je vais vous le montrer en vidéo. Ça me semble un petit peu inutile. Tiens, regarde. C'est à ça que ressemblait le monde il y a des centaines de millions d'années. Il n'y avait qu'un seul gros continent. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est ? La Lune. Je t'emmènerai bientôt la voir en vrai. Je te le promets. Tu pourras aller où tu veux, explorer le monde entier. Parcourir toutes les terres que l'homme a foulées, y compris la Lune. Ok. Ce qui veut dire que les hommes sont allés sur la Lune quand la Terre est partie en couille, je pense, somme toute logique. Donc comme je disais, j'ai pris une douche, ça m'a donné 4 grenades 0, j'ai fait un petit pipi, 3 grenades 0, et par contre j'ai fait un coca, mais ça n'a rien donné du tout. Et ça c'est bien triste. Alors, les chaussures, on équipe des nouvelles bottes, plutôt cool.
Voilà, ça, hop. On équipe. Ensuite, casier privé, s'il vous plaît. Oh, j'ai beaucoup de grenades, hein. Oh la vache. Bola de niveau 1, placé dans le casier privé. Voilà. Le lance-bola, c'est fait, c'est débarrassé, parce que j'ai le niveau 2 au porte-outil, pardon. Allez, c'est parti. J'ai fait totalement le vide sur moi. Maintenant, il est temps de prendre toutes Sam, nos commandes. De nombreux clients vous demandent personnellement. Je comprends bien, j'entends, mais j'entends. Mais s'il est nécessaire que vous acceptiez certaines commandes essentielles à l'extension du réseau chiral, pour les autres, vous avez le choix de vous en occuper ou non. Très bien. Cependant, il va sans dire qu'il va dans l'intérêt de tous que vous fassiez le maximum. Et plus de travail, c'est plus de récompenses. Très bien, en gros, il nous dit qu'on n'est pas obligé non plus de tout faire. Alors, il y a ceci à livrer assez loin. Il y a ceci à livrer à côté. Et il y a ceci urgent, livraison de pizza. Ça va, gros t'es bien, toi? Tu veux juste ta petite pizza? Eh bien, écoutez, on va... Je vais livrer ça d'abord. Ouais, on va tout prendre, on va tout prendre. Allez, c'est parti. On y va, mon pote. Il y a aucun souci. Let's go. Vous allez devoir transporter un prototype de bot. Votre destination, le centre de distrib au sud de la ville relais du lac. Si ces bots de livraison autonome s'avèrent fiables sur le terrain, ils pourraient tout bonnement révolutionner notre réseau de distribution. Les enjeux sont énormes. Alors soyez très prudents. Très bien. Avant de partir comme ça, marchandises, leur, ok, poche de sang, j'ai déjà... Je vais me faire des petites bottes. Je sais pas vous, mais moi, ça me botte bien. Prototype de bottes. Allez, sur le dos. Ensuite, sur le dos. Sur le dos. What? C'est grand. Les pizzas doivent toujours être transportées correctement. D'accord. Si vous la tournez bêtement sur le côté, vous risquez de la gâcher. Attends, frère. C'est bien, vous abusez pas trop, ça fait plaisir. Attends, je peux pas là, les gars. Non, je peux juste pas en fait. What the fuck? Je suis mort? Commande attribuée. Je suis totalement mort. Marchandise. Organisation. On est cuit? Sam, si vous voulez créer une nouvelle route, vous devez d'abord trouver le paveur. Ok, on va livrer la pizza. Et on va revenir. Reconstruire la route. Poussée d'adrénaline due à l'environnement. On va faire 2-3 allers-retours si ça vous gêne pas. Attendez, c'est où? C'est où, paveur? Normalement, c'est juste à côté. Ok, 200 mètres, let's go. Allez, on se retrouve dès que tout est installé. Restauration, hein, votre... Ok, pas de soucis. C'est juste pour dire que c'est un petit peu lourd. Waouh! Quoi, ce délire? On dirait que vous approchez de l'autopaveur. Mettez-le en marche et vous aurez une nouvelle route en arrière de temps. Ok. Allez, reconstruire des routes. On donne. Très bien. Très très bien, première route qui va se faire très vite. Ensuite. Allez, on reconstruit ces putains de routes. C'est terrible. Céramique, ajouter des matériaux.
Mettons, on en a donné beaucoup plus qu'il n'en faut, mais hé, au diable l'avarice, comme on dit. C'est parti, première route entièrement reconstruite. Like reçu de la part de tous les membres de Bridges. On va livrer la pizza et on va livrer la quête, évidemment. Et ben voilà. Beaucoup mieux, non? Bon, ça va être une petite route, enfin. Eh, hey, mieux que rien. Pas se plaindre. Oh, c'est une belle route, par contre. Toutes les routes, Menta, on saura jamais. C'est une très belle route, ça, par contre. Je suis pas peu fier de cette belle route. Et je suppose que, en fait, j'ai de quoi reconstruire encore la route d'après. Donc ça, c'est plutôt incroyable. On le fera. Je le ferai en off. Félicitations. Allons livrer cette pizza. Cette route fait vraiment plaisir à voir. Et ce n'est qu'un début. Créer un réseau de transport à l'échelle du continent sera particulièrement essentiel pour notre avenir. C'est pourquoi il est si important de bien utiliser tous les paveurs que vous trouverez en route pour pouvoir reconstruire nos routes et autoroutes. Vous imaginez combien votre travail serait plus simple si vous pouviez rouler d'un côté à l'autre. Allez, ça, hop, on prend. Let's go, on va livrer cette petite pizza des familles. Regardez, on a encore un peu de marchandises. On prend tout ça. Ah la vache, je suis déjà à 50 minutes de record et j'ai l'impression d'avoir rien fait, c'est terrible. Alors, allons livrer cette pizza. Ouais, on va passer par où? Allez, je vais faire un petit raccourci des familles. Voilà. Très, très bien. Aucun problème. Ah, c'est loin. Non, ça va. Quoi? Livrer la pizza avant qu'elle refroidisse. 5 minutes sur 30. Ça va. Ils mettent des petits coups de pression, ces salopards. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, faut livrer la pizza. Ah, d'accord. Ok, on va essayer de passer par là. Là, on est hors réseau qui râle. Ça sent pas bon. Ah, tu peux avancer, s'il te plaît? Allez, fais-moi un petit plaisir. Oh, c'est pas bon, ça. Si, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, j'ai cru qu'il allait avoir des échoués. Mais que nenni! On va lui donner cette pizza. Allez! Vous savez quoi? En off, je vais faire encore la suite de la route. Et on se retrouve la prochaine fois pour le colis interdit. Mais je sais même pas, je sais même pas ce que je sais même pas, je suis à 50 minutes de vidéo, je vais en garder 30, je sais même pas ce que je dois garder, c'est terrible. C'est terrible. Livraison terminée. Affichage de l'évaluation de performance. Oh, pas mal. Mais personne ne me remercie, je peux au moins voir le mec qui va grailler la pizza ou pas? Ça c'est S, mais bien sûr que c'est S. Un petit peu endommagé au début, mais rien de folichon. Très très bien, allez. On est bon. Merci de votre soutien sans faille. Eh ben de rien. Ok, là par contre... D'accord, y'a rien... Ok, mes couilles. Éclatez la mission, hein, sa race, hein. Bon. Eh bien c'est parti, on fait demi-tour. On va récupérer tout ce que l'on a récupéré. Et adios, amigos. On va par la même occasion construire la suite de la route. Je pense que ça me paraît pas trop mal comme plan. Hop, j'ai éclaté la voiture, c'est pas grave. Oh, on a un petit pont ici des familles. Attends, cascade. Voilà, pas de soucis ça. Ça, c'est une très belle cascade. Double cascade. Pas de soucis ça. Eh ben écoutez, je vais tout faire en off. Voilà, je vais continuer le reste en off. On a déjà un bel épisode. Voilà, c'est pas un problème ça non plus. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il dit ce panneau? Free. Ok.
free to use. Je prends. Merci mon pote. Un peu de résine, je prends mon pote. Regardez. Voilà. Aucun problème. On rentre à la base. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai l'impression qu'on avance très lentement. Mais hey, j'ai envie de vous dire l'important. Eh bien, c'est qu'on avance, tout simplement. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Je vais faire la route suivante off parce que ça va me demander deux putains d'aller-retour. Et après, on se retrouve pour la livraison des bots, tout simplement, qui vont permettre des livraisons automatiques. Et ça, c'est plutôt cool à mon avis. Ça va bien aider à l'avenir. Je vais faire les deux allers-retours off. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve bientôt pour la suite et la livraison du principal. Comme ça, on aura bien avancé, mine de rien. A bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.